Clément Ciboni, élève au cours de théâtre de Blanche Salan et Paul Weaver, fait sa première apparition au cinéma en 1994 dans Emmène-moi de Michel Spinoza. On le verra à l'affiche de Déjà mort, récit d'une descente aux enfers réalisé en 1998 par Olivier Dahan, puis dans Un dérangement considérable de Bernard Stora, et dans Promenons-nous dans les bois de Lionel Delplanque. Il joue aux côtés de Romane Boringer dans l'adaptation télévisuelle faite par Arnaud Célignac de Aurélien, pièce de Louis Aragon. On le retrouve également aux côtés de Isabelle Carré dans L'envol de Steve Suissa, Audrey Tautou dans À la folie, pas du tout de Laetitia Colombani, et Romain Duris dans Osmose de Raphaël Fegetto. Clément Ciboni apparaît aussi dans les comédies d'auteurs indépendantes comme The Film de Guy Jacques. Puis il partage l'affiche avec Emmanuel Béart et Charles Berling dans Un fil à la patte de Michel Deville. Il tourne ensuite sous la direction de Charles Belmont pour la comédie Demeure qui de nous deux est. La même année, il apparaît aux côtés de Sophie Quinton et Nicolas Duvauchel dans Avril du réalisateur Gérald Eustache Mathieu. En 2007, on a pu le voir dans L'étrangère de Florence Colombani et L'âge d'homme, Maintenant ou jamais, de Raphaël Fegetto. Récemment on le retrouve dans Voir la mer, film de Patrice Lecomte. Parallèlement il se fait un nom au théâtre, exercice d'acteur qu'il apprécie notamment aux côtés de Clotilde Courau, dans la pièce de Georges Bernard Shaw, La profession de foi de Madame Warren, mise en scène en 2004 à la Comédie des Champs-Élysées par Michel Fagado. À partir de 2005, Clément Ciboni jouera dans de nombreuses pièces de Martial Di Fontsobo, La tour de défense de Copie au Festival d'Avignon, La mer, et dernièrement L'entêtement. En 2011, Clément Ciboni est à l'écran dans Let My People Go, de Michael Buchko écrit par Christophe Honoré, et en 2012 est à l'affiche de L'oiseau de Yves Caumont, aux côtés de Sandrine Kiberlin, sélection Mostra Internationale de Venise. Il apparaît dans un spot publicitaire pour le parfum Terre d'Hermès de la marque Hermès, International, 4 janvier 2014. Clément participe à l'enregistrement de Into the Blue, le nouveau clip de Kylie Minogue.